que je suis là, je suis même effrayée. J'ai fini de puiser l'eau. Quand j'arrive là au quartier là, Colondo, quoi là. Mon ami, j'arrive, je vois, devine qui j'ai vu. Tu as vu qui? J'ai vu Honoré. Honoré, attends. Ce n'est pas le gars qui te doit l'argent du poulet là? Je l'ai vu, comprends, je l'ai vu sortir, classe, nyanga quoi, les lunettes, la cravate, costume, pantalon. Mon ami, laisse-moi le déma. Je dis, laisse-moi le déma. Honoré que je vois dans le bar là-bas, pardon. Malo, s'il te plaît. C'est toi, mamie, en soirée. Stop-toi un peu. Attends, je t'explique, est-ce qu'il y a une voiture rouge là, un genre là, qui a le même, qui a la plaque CDO? Attends, regarde-moi bien. J'ai l'œil de quelqu'un de bête. Madame, la plaque CD, tu sais ce que ça veut dire? Attends, qu'est-ce que ça veut dire même les gens? Je sais que c'est diplomate. Honoré, là, quelqu'un de diplomate ne peut pas aller traîner dans les bars du quartier qu'on voit ici. Hein? Bois le guitongo, tout ça. Dis-moi, ça fait combien de marques tu as vu Honoré? Ça fait combien de marques tu as vu Honoré là-bas? Ça fait pas 6 mois là-bas. Depuis les 6 mois là, je te dis qu'il est là-bas. Je l'ai vu dans la voiture à Colombo. Si tu me crois pas, hein? Viens, on va aller, on va voir. Je l'ai vu là où il est allé chez lui, je l'ai vu. Toi-même, tu sais qu'on a grandi ensemble, oh. On a vu les shogas ensemble, oh. On a tout vécu. Mais il te faut des lunettes, parce que tes soins ne tiennent plus debout. Hein, tu deviens déjà folle. Madame, tu ne me crois pas, non? Attends, je prends mon saut au vent, non? Attends, d'abord que je finis de balayer. Viens, on y va. Tu vas même te sacher le super, hein? On va au ministère, il faut qu'on soit nyanga. Attends d'abord. Je ne le vois pas. Attends d'abord. Honoré. Tu vois ce qu'il a? Tu vois ce qu'il m'a gâté, non? Et moi, tu me l'as pour le poulet, non? Alors, il va me rendre. Gars, il faut même lui demander plus, non? Il dit, pour toutes les années là où j'ai attendu, il me doit. Honoré, un bandit. Celui qu'on voyait au bar là du café. Il buvait le guitoko, la bière. Il était avec les gars. Malta, il reste oublié. Le voilà. Je n'aime pas ça. Ah, ils sont l'argent du poulet. Je n'ai pas d'argent à te demander, madame. Vous m'avez donné le cadeau, maintenant vous voulez encore demander quoi? Cadeau, s'il te plaît. Après toutes ces années? S'il te plaît. Cadeau? Tu m'as entendu dire cadeau? Dans ta tête, c'est pas ça. Hé, doucement, on ne touche pas la tête du monsieur. Que tu es qui, hein? Tu es qui? Tu parles même d'abord. N'importe quoi, moi je suis quelqu'un. Toi tu es qui? Mais si tu es là, tu... Regarde. Tu peux arrêter là. Ça fera mon boulot. Moi, je te dis, c'est une faux chose comme Louis ça. Louis Vuitton, Paris, France. Pardon, monsieur, vous savez quoi? Il ne veut pas les problèmes. Donnez-lui son argent ou pas. Et rajoutez-lui 5 000 pour les mois et l'année que j'ai dû attendre. Dit que l'argent, là, ça ne va pas sortir de ma poche. D'abord, je ne suis même pas l'argent. Est-ce que ma sœur, là-bas, elle distribue? Et tu dis qu'elle ne distribue pas. Attends, pour distribuer dans tes piscines, tes télévisions, tu as non? Antoinette. Tu as non? Marie-Antoinette. D'abord, mon ami, ne me dis plus, c'est 5 000 qui te dépasse. Hein? Attends, tu veux me parler quoi? Attends, j'arrive à payer 5 000, moi je vais déjà donner de bon, même, dis donc, donne-lui son âge. Hé, fous le camp, faut pas mettre des verres. Attends, tu sais à qui tu parles? Attends, moi je vais donner ma dis, qu'est-ce que tu fous, monsieur? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Attends, je vais vous expliquer. Il y a quoi? Il a commencé à dire. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas?
Mais expliquez-vous, monsieur, pourquoi vous riez, vous moquez de moi? J'ai 35 ans à la police, hein. Il s'agit de quoi? Ok, monsieur, écoutez. Les femmes, c'est le gars ici, le gars ici, le gars ici, le gars radical. Il est venu. Avec un gars. Ne parlez pas tous à la fois, ne parlez pas tous à la fois. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est. Quel est ton nom? Moi, c'est Mitumba Honoré. Très bien. Je m'appelle inspecteur Kobignac. Hein? Et c'est parce que c'est comme ça que vous allez insolencer des jeunes filles ici en ville? C'est quoi le tas? Monsieur, écoutez ça. Quand quelqu'un vient, il vous menace avec le talon. Le talon. Et d'abord, le talon, c'est pour qui? Hein? C'est pour elle. Et vous prenez son talon pour quoi, monsieur? Déposez ce talon-là. Il s'agit de déposer ce talon, monsieur. Ça s'amuse comme ça en route. Vous insolencez des jeunes filles comme ça. Je suis là pour vous sauver, je suis là pour la sécurité des pères et des personnes. On t'a appelé. Ah ok, je vais demander vos pièces. Présentez-moi vos pièces, madame. Présentez-la. Je vous dis maintenant. Non, c'est vous qui avez commencé. Suivez-moi tous à la police. Non. Je dis vous tous. Attends. Donc vous voulez dire que vous voulez traverser mon autorité? Suivez-moi à la PJ, monsieur. Attendez, je m'énerve. Je vous explique. Vous arrivez. Vous avec vos lattes de lit là, pourri. Ah bon? Vous n'avez pas la loi ici. Si je comprends bien, c'est un plan alors. C'est toi, vous voulez. Donnez le papier. Je n'ai plus besoin de ça. Je dis tout de suite, arrêtez. On va à la PJ. On va se justifier moi, à la PJ. Attendez, monsieur. Je demande marcher. Mais c'est moi qui te le dis pas. Tu n'es pas agi comme si tu avais dit quelque chose. La police judiciaire, monsieur. C'est PDG alors. Pardon, excusez-moi, patron. Je voulais seulement chercher un arrangement. Je vous en prie. Arrangez-vous. N'importe où. Et même faire comment avec les filles là? Je pense qu'on va laisser ça comme ça là.